Bello, biso ba maman, biso ba veuve, biso ba na bitike, biso ba oyo, tozali komela mabele ya ba oyo ba kufa, biso ba oyo tozali na bazemi, me mbuna azali kokata biso, azo pasola biso libumu. Il y a une violence sexuelle. Nazali, présidente de la fondation.
invitation oyo etala kabana bitike bana bitike ebele na polisi bazali na est na kanisi ebele bakuna. Mais pour l'instant, pour la journée d'aujourd'hui, je suis exclusivement en train de solliciter aux patriotes, les vrais banayamboka. Moutouna Moutou, Azana député Oyo, a voté. A Kenekoye, Bissa député Wana, a voté les bisous loi Oyo et pour permettre les bisous d'autres murs entre Congo et Rwanda. Parce que trop, c'est trop. Biso to vota qui n'a c'est à Moula. Biso to vota qui n'a c'est à Moï. Ba mususu kutu basi ba koma voter ba de marake. Mais bango ba ko voter na c'est à Split. Ils doivent élaborer cette loi. Chacun de nous doit passer le message auprès de son candidat. Ba voter les biso loi wana de eloko kaka na ko sera la journée à Nelo. Bombo. Tozali to mo na ite. Ba ko le batia et ni na ko de pa na kolo. Kolo. Bien le centre total, tout le des acteurs principaux, qui a marché ce matin qui représente les hommes congolais. Il y a notre soeur, notre maman Esther. Maman au père a été représentée par maman na il est basi. Mardoché, Azar Tata, la monnaie, la biblia, Azar a un caractère beaucoup exceptionnel. Azar Tata, mon pote idéologique est externe. Mais Azar Tata, mon pote pour lui est externe. La biblia, le pote est externe, à quoi tu vas faire. Mais il y a un pote pour lui, il y a une gongalisalité. Et il y a un concombre à un certain moment. Ou bien c'est bien qui va condamner le règne. Malaba, et c'est bien que toutes les jeunes filles choisissent Bakébé, mais la monde pour le lingo extraordinaire à Mardoché, qui n'a pas voulu prendre ses propres filles biologiques. Mais il y a ici, quand vous avez la quête, nous trouvons un peu à quoi on a commencé à vous poser. La Mardoché, il y a un grand monde mais au limbo, la moine est le limbo, il y a un voisin, mais la moine est le souci. Mardoché, Esther a commis à mon côté, a commis moi aussi à mon côté. Mais il y a une troisième personne qui s'appelle Ama. Atalata, Mardoché. L'insolo y a Moka Ezala. Préoccupation na biso. Je vais atterrir. Bangomi balé, bazo solula. Mardoché Alomi, ne t'imagine pas que ceux qui ont sali et le côté, ceux qui ont l'obité, ceux qui ont télémité, le soungi et koya et pas une souffle. Ne pense même pas que ceux qui est yini, toi qui échapperas, bango ba kokofa, yope o kokofa. Bien aimé, peut-être nous ne comprenons pas, nous les Kinoises, ces Kinois, tozo lobela est, tozo kanisa est, le kola moka mususu, comme si c'était notre pays, est c'est le kola bazana continent mususu, mais oyo ekweyi, kuna na goma, oyo ekweyi, kuna na nord kivu, oyo eza kuna na est, ceux qui est yini, les miso awa na Kinshasa, tika molimo aloba epai na yo alobe pananga yo be ko kanisa tete te yo be ko bika alors ko ni pousa ese po asala elo ko songolo lelo to yangani au autour de la journée internationale de la femme to la ti ba mui ko la ti sa bololo ko la ti sa pasi e ke ese mo kana biso to ko ki ko sebe la terre. La couleur noire, les années couleurs, il y a détresse, les années couleurs, les autres expressions, la douleur, il n'y a pas si la vie. Mais ce qui est important, ce qui est important. Le pays nous concerne. Les années qui ont chef de l'État est mon côté. Les années qui ont papa ministre est mon côté. Les années qui ont papa ministre est mon côté. Mais je vais m'essayer, parce que ça n'est pas ma canisse. Vous avez un soin de fou. Essayez à l'oubli. C'est la moussou de Kobunda, Tokolonga et Zate. Sommes dans une minute, tant de moussou de Kobunda, sommes dans une minute, et pas une épaille, tant de moussou de Kobunda. Mais la vraie solution,
Maudit soit celui qui déplace les bornes de son
sera miraculeusement dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous voyons pas, nous sommes pas dans ces camisoles. Au lieu de que nous ne pouvons pas faire ma bonne délire, c'est Dieu qui nous a dit. Pendant moins d'une minute, tout déclare. Éternel Dieu des armées, en ce jour du 8 mars, dernier possible, Yahweh, la RDC, c'est l'Israël, les saints d'Israël, toi Yahweh Dieu, tu as remporté la guerre par Josué de la RDC. Nous te confions, les présidents de la République, que tu lui donnes intelligence, sagesse, pour que cette guerre cesse. Notre chef du gouvernement, Samuel Kondé, éternel Dieu des armées. Une prière de profonde jusqu'à quand, Maître Saint Véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Aujourd'hui, Seigneur, avec les âmes de nos mamans qu'on avait tuées injustement, avec les âmes des Congolais qui sont morts à l'est de notre pays injustement, avec toutes les femmes du monde entier, et en particulier les Congolaises, nous venons te demander, Seigneur, que ta justice soit faite sur les violences et les crimes qu'elles subissent jour et nuit. En ce jour 8 mars, Seigneur, donne à nos mamans, donne aux Congolais, donne à nous tous le courage de dénoncer le mal, de défendre inébranlablement nos droits et notre intégrité territoriale. Toi qui es le Dieu de paix, pacifie notre pays. Toi qui es le Dieu de paix, pacifie l'est de la RDC. Toi qui es le Dieu de paix, viens régner au milieu de nous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Archevêque Ejiba Yamata Evariste, président de la plateforme des confessions religieuses et président représentant les gardes de l'Église du Réveil du Congo. Et donc la prière que je prononce, c'est en compagnie avec tous les chefs de confession religieuse et réunis qui sont assis à ma droite. Notre Dieu est un Dieu de leadership, c'est-à-dire il utilise les hommes pour accomplir ses missions. Quand nous parlons du leadership en République démocratique du Congo, nous voyons le premier des citoyens, le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons les chefs de gouvernement, nous voyons le parlement avec ses deux chambres, nous voyons les forces de sécurité composées de notre armée, service de renseignement, temps militaire et civil. Et donc nous voyons toutes les personnes impliquées, qu'ils soient des cours et tribunaux, qu'ils soient des chefs religieux. Donc ma prière, ensemble avec vous, c'est demander à Dieu qui a élevé ces gens, afin que par eux, que ce soit sur le plan diplomatique, que leur voix se fasse entendre. Que ce soit sur le front de guerre, comme pouvait être Josué qui s'est placé au front, et Moïse était à la montagne, et le peuple d'Israël recevait la victoire. Donc notre prière, c'est de dire à l'Éternel qu'il utilise le leadership congolais afin que nous tous, les Congolais, derrière eux. C'est par là, dans ma prière, j'en appelle aux autres, les amis de la politique, qu'ils puissent
taire d'abord les querelles et qu'ils se mettent ensemble pour la cause de la patrie. Nous élevons nos voix pour invoquer le Seigneur. Mon Dieu, selon qu'il est écrit, ceci et cela s'appuie sur les chars et sur les chevaux, mais nous, nous invoquons l'Éternel. C'est vrai que le Rwanda peut avoir les multinationales derrière eux, mais nous nous disons, le Congo a derrière lui l'Éternel Dieu de gloire. Ainsi que tu es le Dieu de leadership, je lève devant toi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que tu lui donnes le courage de David, qu'il soit dans son plan diplomatique, être convaincant comme il est en train de le faire. Que là où il s'arrête avec ses paroles, que l'Éternel Dieu continue de parler au cœur de ceux qui peuvent avoir les guerres en Russie. Dieu de l'éternité, je te prie pour ses collaborateurs, mon Père, fais en sorte que chacun ait dans son cœur le fardeau du Grand Congo. Père éternel, ma prière pour les deux chambres du Parlement, ma prière pour le gouvernement, ma prière pour les forces de sécurité, oh Dieu, fais en sorte que tous voyez la patrie, que ceux des Congolais qui s'élèvent pour trahir la nation, mon père et mon roi, l'esprit du nationalisme imprègne toutes ces personnes pour qu'ils sachent que la patrie est ce qu'il y a de meilleur. Oui, Dieu de l'éternité, je te prie pour les politiques congolais. Ils sont leaders des regroupements, leaders des partis politiques. Ils acceptent en ce moment que le Rwanda, derrière le M23, attaque le Congo, est en train de vouloir travailler pour le démembrement de la nation. Qu'ils acceptent, oh Dieu, de se joindre à celui que le peuple a élu et donc le président de la République, afin qu'ensemble, que l'on puisse conjuguer les efforts et vaincre l'ennemi, qu'on puisse conjuguer les efforts et faire appel à la paix pour le peuple congolais, qu'on puisse ensemble que ces femmes qui sont violées puissent recouvrer la dignité, que ces enfants qui ne savent pas aller à l'école normalement, oh Dieu, qu'ils aient la fierté de dire, nous sommes congolais comme ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes congolais comme ceux qui sont au Congo central, nous sommes congolais comme ceux qui sont au Kassai et partout ailleurs, et qu'ils sortent des brousses et qu'ils reviennent dans les cités. Yahweh, ensemble réunis dans son temple, la cathédrale du centenaire, j'invoque le Dieu de l'éternité, en son lieu, le lieu où le nom de l'Éternel est invoqué, Papa, Tolobi, Kita, Kikisamoka Congo, Kita, Kimia, Eswamanamoka Congo, Kita, Osanisa Président Félix, Naba effort, nous sois en Kosala. Sagesse à Salomon et la taille, d'avoir Koloba, Baroïba Koyokaye, Banjima, Dieu de l'éternité, nous te prions que la communauté internationale sache que le Congo existe, que le Congo a ses frontières, et que quiconque a traversé la frontière pour pouvoir attaquer le Congo, il a brisé la loi divine. Ayant brisé la loi divine, même si les grandes puissances l'appuient, que la plus haute puissance, la puissance de l'éternité, s'attaque à ceux qui ont violé les territoires congolais. Voilà pourquoi, peuple congolais, de partout où vous êtes, vous qui êtes dans cette salle, quand nous disons que la guerre cesse au Congo, et tous nous disons au nom de Jésus, quand nous disons que le président de la République résiste à sa mission, que nous puissions les prendre tous au nom de Jésus, nous disons que la paix règne au Congo, que le président de la République résiste à sa mission, que les violences à l'Est cessent.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Concrètement. C'était vraiment pour nous d'interpeller les femmes et aussi avec le message de la journée. En tout cas, c'était vraiment fantastique. Ils nous ont parlé des terres. Il y avait un complot. Il y a un complot aujourd'hui contre la RDC. Et on nous a dit que... Quel complot? Complot pour la balkanisation de notre pays. Et ils nous ont parlé que Dieu nous a donné des limites. Chaque pays a ses bornes. Nous aussi, la RDC, nous avons nos bornes. Là où se limite la RDC. Mais l'ennemi veut prendre notre côté. C'est pour ça qu'on nous a interrogé pour dire que les femmes doivent s'élever comme Esther. Pour dire un mot à Dieu qu'il arrête la guerre en RDC. C'était ça le message important du jour. Alors pourquoi en noir alors que vous êtes habitué en pagne? Il y a des femmes qui sont violées, il y a des familles dispersées. Les papas à gauche, la maman à droite, les enfants ailleurs. Et nous pleurons.
mon cher Kissou, quand la famille est disloquée, quand la famille est déchirée, il n'y a pas la paix. C'est pourquoi on est là, on implore la grâce de Dieu pour notre pays, qui est quand même la main puissante là, et nous croyons que Dieu est capable de faire tout. Et la prière avec la ministre de Portefeuille a dit que Dieu va faire de miracles, et nous croyons à cela. Et c'est pour ça que nous sommes unis comme un seul homme pour dire un mot à Dieu pour notre pays. Alors, vous avez tout un mois de mars. Quelles sont les autres activités prévues? Bon, il y a des activités d'assistance des chers frères qui sont de notre côté et nous allons nous mobiliser pour récolter des fonds pour les assister. Merci madame. Vous pouvez vous présenter? Et moi, c'est madame la camarade. Nous au syndicat, c'est la camarade. Moi, c'est la camarade Gisèle Manga de la CDT, Confédération démocratique du travail. Camarade Gisèle, nous vous remercions. Merci. Comment dit-on le nom, ma femme Mérie MC, voyez pour célébrer une journée de la femme, mais voyez, la tenue en noir. Je le dis, voyez, bah, et que symbolisez ni une tenue en noir, voilà, tu n'as pas le droit de l'eau. Tenue en noir, les amis tenus à ma tamba. Les amis tenus, oh yo, ceux qui vous en ont pas, vous en ont pas. C'est ainsi que nous sommes habillés en noir pour commémorer cette journée du 8 mars. Nous, nous sommes au ministère de la Pêche et de l'Élevage. Alors, quel est le message fort que vous lancez en ce moment à la communauté tant nationale qu'internationale? Oui, le message fort que je peux lancer aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est d'abord, ce n'est pas une journée de fête pour les mamans, c'est
C'est une journée de réflexion. Nous devons réfléchir et pousser à nos mamans pour savoir d'où nous venons, là où nous sommes et où est-ce que nous allons aboutir. Donc vraiment, nous devons faire des efforts, fournir des efforts pour que nous ne restions pas les mêmes ou pour dire seulement verbalement non, parité ou bien égalité. Donc nous devons être conscientes de cette situation. On a besoin de nous habituer à être en pagne en ce jour. Mais pourquoi en noir? Oui, bien sûr, nous sommes habitués à être en pagne parce que d'abord c'est pour véhiculer le message. Il y a le pagne qui a des écrits pour véhiculer le message. Le pays est en deuil. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas de bouton. Le message, c'est le noir. Que les mamans sont en deuil à cause de nos frères de l'Est qui souffrent, qui sont vraiment en péril. Est-ce qu'il y a d'autres actions, puisque vous avez tout un mois consacré, que vous comptez mener pour justement obtenir ce gain de cause? Oui, nous avons des activités qui sont encore en processus, que je ne peux pas étaler ici. Bon, nous avons arrêté des différentes dates. Vous serez au courant de ça. Un mot pour terminer. Bon, merci beaucoup. Nous, c'est le ministère de Pêche et Élevage. En tout cas, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes avec tout le monde. Nous plaidons aussi pour le pays, pour que notre pays soit libéré de la guerre, pour que nous puissions être en paix. Vous appelez comment? Je m'appelle Madame Micheline Ngame. Je suis point focal genre du ministère de Pêche et Élevage et présidente de l'association. Le message que nous véhiculons aujourd'hui, c'est-à-dire on parle toujours des droits des femmes, mais aujourd'hui nous en tant que Congolaises, nous sommes tellement mortifiées par rapport à tout ce qui arrive aux femmes qui sont à l'est du pays, qui sont violées, battues, égorgées, des familles décimées. Et j'ai à l'image un enfant qui pleurait sur le dos de son enfant, sa maman qui a été abattue. C'est une image atroce. C'est pour ça, au lieu de nous réjouir aujourd'hui, pour être ensemble, pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, nous compatissons avec vous. Nous, de toutes les autres provinces de la RDC, nous nous sommes habillés en noir. C'est le signe du deuil par rapport à ceux qui arrivent. Mais nous disons, c'est assez, ça suffit. Tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans cette guerre atroce, qu'ils arrêtent, qu'ils se mettent un peu à la place des femmes, des mères, des grands-mères, des jeunes filles. En tout cas, même pour un intif de quelque hauteur que ce soit, la vie humaine doit être considérée comme sacrée. Donc c'est ça notre message aujourd'hui. Et nous avons imploré le Très-Haut, tout ce qu'il peut y avoir comme puissance militaire, politique, tout ce que vous voulez, mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est à lui que nous avons pleuré aujourd'hui pour qu'il arrête cette tuerie à ciel ouvert où tout le monde voit et tout le monde ferme la bouche comme ce geste qui est devenu légendaire. Tout le monde regarde, on est en train de tuer sous le silence du monde entier, tout simplement. On ne regarde que nos richesses. Et je me dis, Dieu lui-même qui nous a donné toute cette richesse. Asombali kamba mon papa. Bon mengo pesa ki biso olie sepelisa biso et sal sabiso. Ezo bon misa biso sombali kamba ngo papa nkolo. Somba ngo silisa ngo mengo pia ki pona ata biso to bénéficier te biso to bandoko la bana biso na bakoko na biso. Ba bénéficier na ngo parce que c'est d'abord